Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Dans cette vidéo, nous allons aborder les dossiers de CAPES de mathématiques session 2018 ayant pour thème les probabilités. Voici l'énoncé du premier problème. Dossier CAPES de mathématiques session 2018, problème numéro 9. L'exercice. Soit S0 est égal à 0. On lance une pièce équilibrée et on pose S1 est égal à S0 plus 1 si on obtient pile, S1 est égal à S0 moins 1 si on obtient face. En itérant le lancer de pièce, on définit une suite Sn telle que S0 est égal à 0 et pour tout entier naturel n, Sn plus 1 est égal à Sn plus 1 si on obtient pile et Sn plus 1 est égal à Sn moins 1 si on obtient face. Pour tout entier naturel n, on note à n l'événement obtenir s indice n égale à 0. Quelle est la probabilité de l'événement a indice n pour tout entier naturel n non nul donné? Les réponses de trois élèves de première scientifique. Élève 1. Pour calculer la probabilité de a n, j'ai rédigé un programme en langage Python. J'ai lancé le programme pour différentes valeurs de n. Élève 2. Pour S1, on peut trouver moins 1 et 1. Pour S2, on peut trouver moins 2, 0 et 2. Pour S3, on peut trouver moins 3, 1, 1, 3. Pour S4, on peut trouver moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Pour S3, on peut trouver moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3 et 5. Donc si n est impair, alors la probabilité de AN est égale à 0, et si N est pair, alors la probabilité de AN est égale à 1 sur N plus 1. Élève 3. J'ai construit un arbre pondéré, il me fait penser à la loi binomiale avec N et P est égal à 0,5. Avec l'arbre, j'ai calculé P de AN est égal à 0,5, P de A3 est égal à 0, P de A4 est égal à 0,375, P de A5 est égal à 0. Mais je n'ai pas trouvé le lien entre AN et la loi binomiale quand N devient grand. Le travail exposé devant le jury. 1. Analysez la réponse des trois élèves en mettant en évidence leur réussite ainsi que leurs erreurs. Vous préciserez l'accompagnement que vous pouvez leur apporter. 2. Proposez une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de première scientifique. 3. Présentez deux exercices sur le thème probabilité. L'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée, l'un des exercices devra notamment permettre de travailler la compétence cherchée. Analyse didactique du dossier. Donc ici un exercice de probabilité avec, on va pouvoir utiliser la loi binomiale et différents cas de dénombrement grâce à un arbre de probabilité. Alors l'élève 1, il fait un algorithme sur Python qui a l'air correct, il trouve de bonnes valeurs de la probabilité, mais par contre, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de conjecture ici, et il va falloir trouver donc cette conjecture, et bien entendu, passer au raisonnement sur papier. L'élève 2, alors, il a trouvé des valeurs pour S indice N, pour N allant de 1 à 5, mais ici, vous voyez, le 0 va compter deux fois. Donc ici, il n'y aura pas, c'est pas 1, la probabilité de 0, d'avoir 0, ce n'est pas 1 sur, ici, 1 sur 3, mais plutôt 2 sur 4. Donc ici, la probabilité de AN est fausse, il n'y a pas équiprobabilité entre ces nombres, ces résultats, et donc il va falloir qu'il corrige cela pour arriver à une bonne conjecture, et pourquoi pas utiliser un arbre de probabilité. L'élève 3, il n'arrive pas à trouver le lien entre AN et la loi binomiale, mais ici, l'arbre pondéré qu'il a fait lui fait penser à une loi binomiale. Donc, on va pouvoir utiliser cette donnée pour compléter notre résolution de problème. En résumé, l'élève 1, il n'y a pas d'interprétation des résultats de l'algorithme. Ici, S est égal à S plus 2 rand 0, 1, moins 1, c'est intéressant pour la résolution du problème. Et avec 10 000 lancés,
on peut déduire des intervalles de confiance et non, et donc une approximation de la probabilité cherchée. Élève 2, erreur sur le calcul de la probabilité des événements à n, il n'y a pas d'écrit probabilité. Élève 3, il ne peut pas généraliser la formule, mais le lien avec la loi binomiale est intéressant. Alors, correction de l'exercice. On va pouvoir faire un arbre de probabilité, donc un grand arbre de probabilité ici. Donc ici, soit plus 1, soit moins 1. Donc pile va nous donner plus 1, face va nous donner moins 1. Donc ici, 1, moins 1. Pile, face. Alors, on va dénombrer, donc ici on va plutôt s'intéresser à S4, et calculer la probabilité de S4, on pourrait faire le même pour la probabilité de S2, donc S2, vous voyez ici, 1 plus 1 ça fait 2, donc ici on peut noter 2, ici 0, ici 0, ici 2, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 2. Donc ici la probabilité de S2, eh bien ça va être 2 sur 4, donc ça va être 1 sur 2. Alors maintenant, probabilité de S4, ici ça va être intéressant. Donc ici, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. 1 plus 1 plus 1 moins 1, ça fait 2. 1 plus 1 plus moins 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1 plus moins 1 plus moins 1, ça fait 0. 1 plus moins 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus moins 1 plus 1 plus moins 1, ça fait 0. 1 plus moins 1 plus 1 plus moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, 0. Moins 1, moins 1, moins 2. Etc, etc. Comptons les résultats. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Combien de résultats possibles? Donc, quels sont les cas favorables? Il y a celui-là, 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 celui-là et celui-là. On va pouvoir dénombrer, donc nommer les différents chemins. Donc ici, un chemin, c'est un quadruplé ici, avec P et F. Donc P, ici on aura P, P, F, F, P, P, F, F, ici P, F, P, F, P, F, P, F, P, F, FP, P, F, F, P, F, P, P, F, F, P, P, F, F, P, F, P, F, P, F, P, et F, F, P, et P, F, F, P, et P. Donc ici, on aura 6. Donc la probabilité de S4, c'est égal à 6 sur 16. Donc ici 6 sur 16, ça fait 0,375. Donc c'est égal à 0,375. Donc la probabilité de S4, c'est 0,375. Alors, comment on va pouvoir généraliser ceci? D'abord sur l'univers, donc ensemble univers, oméga, c'est... On choisit P et F n fois. Ensuite, on va noter A n est égal à l'ensemble des n-uplets, tel qu'il y a autant n-uplets, U1, UN, on va dire, U1, UN, avec, donc ici, UK, égal à P si pile au kème lancé et F si face au kème lancé. Donc AN c'est l'ensemble des U1 UN tel que il y ait autant
de F que de P dans le NUP. Alors bien entendu, on va devoir distinguer deux cas, parce que si N est impair, on ne peut pas avoir autant de F que de P. Il y aura soit plus de F, soit plus de P. Donc N impair, eh bien la probabilité, donc le cardinal de AN, c'est égal à 0. Donc la probabilité de l'événement AN, donc ici SN AN, ça va être SN égale à 0, eh bien ça va être égal à 0. Maintenant, si N est pair, on va pouvoir dire, donc ici N, il va exister un entier M tel que N est égal à 2 fois grand N. Ainsi, le cardinal de A de M, eh bien, c'est la façon de choisir N places parmi les 2N places disponibles pour avoir P. Et ensuite, les autres, c'est F. Donc ici, cardinal de A de M, ça va être combinaison 2M, M. Combinaison 2M, M. Ou M parmi 2M. La formule qu'on n'apprend plus en première, eh bien, ça va être 2m factoriel sur m factoriel, m factoriel. Ainsi, la probabilité de a 2m, eh bien, ça va être égal à 2m factoriel sur m factoriel au carré fois 1 sur 2 puissance 2m, ou encore 4 puissance n. Donc voilà, la probabilité de A est 2m. Alors on peut faire un lien avec la loi binomiale. Donc, avec la loi binomiale. Alors bien entendu ici, dans chaque branche, on a probabilité 1/2, etc., etc. Donc ici, loi binomiale. Donc on va se placer dans oméga, oméga PF, et on note, alors UK, on avait dit que c'était P si pile au KM lancé, et F si face au KM lancé. Donc on note BK est égal à 1 si UK est égal à P, et 0 si UK est égal à F. Alors, maintenant, on peut calculer 2BK moins 1. 2BK moins 1, eh bien, ça va être 2 fois 1 moins 1, ça fait 1, si UK est égal à P, et 2 fois 0 moins 1, si UK est égal à F. Ainsi SN est égal à la somme de k est égal à 1 jusqu'à n, de 2bk moins 1, ou encore 2 facteur de somme de k égale à 1 à n, bk, moins n. Alors on note, donc xn égale à nombre de piles obtenues, obtenu au cours des n lancés. Donc xn est égal à la somme de k égal à 1 jusqu'à n de bk, et on a sn est égal à 2xn moins n. Ici, nombre de piles obtenues au cours de n lancés, eh bien, ça va suivre la loi binomiale. Donc ici, xn suit la loi binomiale de paramètres n et de probabilité 0,5. AN est égal à obtenir sn égal à 0. Donc ça veut dire sn égal à 0, c'est seulement si 2xn moins n égale à 0. 2xn est égal à n, bon, xn est
égal à n sur 2. Donc, an, c'est aussi l'événement xn est égal à n sur 2. Xn suit la loi binomiale de paramètres n et de probabilité 0,5. Donc si n est impair, bien la probabilité de an, p de an égale à 0, car n sur 2 n'est pas pair. Maintenant, si n est pair, n est égal à 2m, p, la probabilité de a, 2m, indice 2m, eh bien c'est la probabilité que x 2m est égal à m, donc c'est égal à, donc ici, combinaison 2m, m, fois 0,5 puissance m, fois 0,5 puissance m, c'est 1 moins p, 0,5, 1 moins 0,5, 0,5. Donc ici, 2m, m, fois 1 sur 2 puissance 2 m. Et donc on retrouve la probabilité précédemment calculée ici. Et donc, ceci résout notre problème. Second problème de probabilité, dossier CAPES de mathématiques, session 2018, problème numéro 12. L'exercice. On choisit au hasard un nombre entier de 0 à 999. Quelle est la probabilité qu'au moins un de ces chiffres soit strictement supérieur à 5? Les réponses de 3 élèves de première scientifique. Élève 1. Il y a un binôme entre 0 et 999. Les nombres cherchés sont constitués des chiffres 6, 7, 8 et 9. Ce qui fait 4 possibilités. Pour un nombre à 3 chiffres, il y a donc 4 x 4 x 4 égale à 64. Autrement dit, 64 nombres parmi 1000. La probabilité cherchée est donc 64 sur 1000 ou 8 sur 25. Élève 2. Je vais chercher à dénombrer les nombres qui n'ont pas la propriété demandée. Parmi les 1000 nombres considérés, il s'agit des nombres dont les chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Il y a donc 0 ou 0, 0, 0. Et les nombres formés d'un chiffre entre 1 et 5. Suivi un ou deux chiffres entre 0 et 5, il y en a donc 1 plus 5 fois 6 puissance 1 plus 6 puissance 2 égale à 211. La probabilité cherchée est donc 1 moins 211 sur 1000 est égal à 789 divisé par 1000. Élève 3. Il y a 4 chances sur 10 que le premier chiffre soit plus grand que 5 et 6 chances sur 10 qu'il ne le soit pas. J'ai construit l'arbre 6 contre. Je trouve donc une probabilité de 1 moins 6 dixièmes fois 5 neuvièmes fois 4 huitièmes, c'est égal à 5 sixièmes. Le travail est exposé devant le jury. 1. Analyser la réponse des 3 élèves en mettant en évidence la pertinence de leur démarche ainsi que leurs éventuelles erreurs. Vous préciserez l'accompagnement que vous pouvez leur proposer. 2. Proposer une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de première scientifique. 3. Présentez deux exercices sur le terme probabilité, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée. Au moins l'un des exercices devra permettre de travailler la compétence cherchée. Analyse didactique du problème. On choisit un nombre au hasard entre 0 et 999 et on veut la probabilité qu'au moins un de ces chiffres soit strictement supérieur à 5. Donc ici, on va avoir un exercice de probabilité classique avec une situation de dénombrement et un arbre de probabilité à construire. Alors, l'élève 1, il a fait donc un raisonnement, mais ici, il a dit, il y a 4 possibilités. C'est pas tous les nombres doivent avoir 6, 7, 8 et 9, mais plutôt, il y aurait au moins un 6, un 7, un 8 et un 9. Donc ici, la probabilité cherchée est fausse. Donc là, la réponse ici est fausse. Deuxième élève, il a fait donc une démonstration. Il fait donc l'événement contraire. Et donc ici, il faut avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans la formule finale, il n'a pas mis, il n'a pas compté 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ici, il manque le 6 puissance 0. Donc on va trouver 216 et
ici 784 sur pi. L'élève 3, l'arbre de probabilité est intéressant, mais ici les probabilités mises sur les branches sont fausses, et donc ici on va voir. Donc ici il a fait un modèle sans remise, alors qu'en fait c'est avec remise. C'est-à-dire, ici pour construire un nombre, on prend 10 papiers, les 10 chiffres, et on met les 10 papiers dans une urne, on choisit au hasard un papier pour constituer le chiffre d'unité, on remet le papier dans l'urne, un autre papier pour les chiffres des dizaines, on remet le papier, et un autre papier pour les chiffres des centaines, et on met le papier. Donc ici, il va falloir voir l'arbre de probabilité. Alors ici, l'élève 1 a confondu au moins 1 par tous, donc la probabilité trouvée est fausse. L'élève 2, il a dénombré les possibilités, donc ça c'est une bonne idée, mais il n'a pas dénombré les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Donc la formule serait 1 plus 5 fois 1 plus 6 puissance 1 plus 6 puissance 2, c'est égal à 216. L'élève 3, la modélisation par un arbre de probabilité est intéressante, mais les probabilités sont fausses, car ce n'est pas un modèle sans remise, mais avec remise. Correction de l'exercice, donc ici on va faire deux cas, donc les deux méthodes, soit par dénombrement, soit par l'arbre de probabilité. Alors, dénombrement, on se met dans un tableur et on va dénombrer tous les nombres entre, donc ici 0, là on va jusqu'à 9, donc ici on met plus 10, ensuite on peut dérouler jusqu'à 1000. Donc ici on va dénombrer donc tous les nombres. Donc ici on va dénombrer tous les nombres qui ont tous ces chiffres qui sont inférieurs ou égaux à 5. Donc, vous voyez 0 ça marche, 1 ça marche, 2, 3, 4, 5 et 6. Là il y a au moins un des chiffres qui est supérieur strict à 5. Donc on 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc pareil pour 7, pareil pour 8, pareil pour 9. Donc ici, tous ces nombres-là, on ne va pas les compter. On va pouvoir compter tout cela. Donc ici, jusqu'à 55. Parce qu'après 6, ça ne rentre pas dans notre étude. Donc, tous ces nombres coloriés ici en jaune, eh bien, vont être tous les chiffres composant le nombre est inférieur ou égal à 5. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici il y en a 36. Donc 36 cas. Alors on va jusqu'à 100 et vous voyez ça se répète. Donc ici on va jusqu'à 155. Donc ici on en a 36, pareil 200, jusqu'à 255, 36, 300, on a 36 aussi, donc 36, ici 400, jusqu'à 455, 36, 500, 555, 36, et après, on peut pas compter, on peut pas prendre 600 parce que il y a le chiffre des centaines qui est supérieur ou égal à 6. Donc ici, seulement ces nombres-là correspondent à notre, alors correspondent à l'événement contraire de la probabilité qu'on cherche. Et donc si on fait la somme, donc ça va être 6 fois 36, donc ici, 6 fois 36, et bien on va trouver 216. Donc ainsi, 1 moins 1000 moins 216, la probabilité trouvée c'est 784 divisé par 1. Alors si on veut un raisonnement détaillé, donc de 0 à 999, il y a 36 nombres qui n'ont pas de chiffre supérieur à 5, donc supérieur à 5,
Donc, 64 nombres qui a au moins un chiffre supérieur strict à 5. De même pour 100 à 199, etc. 500 à 599. Donc il y a 64 fois 6. 64 fois 6, ça fait 384 nombres qui ont au moins un chiffre supérieur strict à 5. Pour un nombre supérieur à 600, il a au moins un chiffre supérieur à strict à 5, ce qui nous fait donc 400 nombres supplémentaires à compter. Au total, la probabilité, c'est probabilité est égale à 384 plus 400. Eh bien, sur 1000, c'est égal à 784 sur 1000. Voilà. Donc, probabilité trouvée, 784 sur 1000. On peut s'aider d'un arbre de probabilité, donc ça c'est une seconde méthode. Donc ici, chiffre des unités. Unité, dizaine, centaine. Supérieur ou égal à 5. Alors supérieur strict à 5. Inférieur ou égal à 5. Supérieur à 5. Supérieur à 5. Inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5. Supérieur à 5. Inférieur ou égal à 5. Supérieur à 5. Inférieur ou égal à 5. Supérieur à 5, inférieur ou égal à 5, etc., etc. Les probabilités, eh bien ici, pour choisir, si on veut un unité supérieur à 5, il y a 4 chances sur 10 pour en avoir une, 6 sur 10, une dizaine, 4 sur 10, 6 sur 10, et ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut prendre une urne avec les 10 chiffres, on prend un chiffre, on note, on l'aura remis dans l'urne, on prend un autre chiffre, on note, on l'a remis dans l'urne, etc., etc. 4 sur 10, 6 sur 10. Alors, probabilité d'avoir un nombre dont le chiffre n'est pas supérieur strict à 5. Donc inférieur ou égal à 5. Tous les chiffres sont inférieur ou égal à 5. Eh bien c'est 6 dixièmes fois 6 dixièmes fois 6 dixièmes. 6 fois 6 fois 6, 216. 216 sur 1000. Et donc la probabilité qu'on veut chercher, la probabilité P, eh bien c'est 216 sur 1000. C'est la probabilité contraire. Eh bien c'est 784 sur 1000. Et donc, ce qui résout notre probabilité.